Nous restons dans le sport féminin avec du catch. Les galas ne sont plus réservés aux gros costauds, bien au contraire. Aujourd'hui, les catcheuses occupent le devant du ring. La preuve par l'image hier à Pont-à-Mousson. La femme est l'avenir du catch. Impensable aujourd'hui d'organiser un gala sans un combat féminin. Des oppositions entre guerrières avec une touche de féminité. Des sportives en mode sexy pour être sur le devant de la scène. Signe qui ne trompe pas, Monsieur Loyal lui-même est désormais une femme. Le temps où les filles elles étaient à la maison, les filles elles sont là, elles en veulent et au niveau sport de combat on est vraiment très bien servi en France. C'est comme dirait la cerise sur le gâteau quoi. Je veux dire, les hommes qui sont présents dans la salle, clairement ils attendent qu'une chose, c'est de voir deux femmes se battre. Pour se dire ok, on connaît le crépage de chignon, mais là physiquement c'est très très impressionnant de voir deux femmes aussi performantes sportivement parlant. Manchette. Projection. Coup de pied et de jarnac. Rien à envier aux messieurs, les demoiselles possèdent toute la panoplie du catch. Elles font le show, il faut l'avouer, faut monter la température dans la salle. Un combat acharné remporté par une somptueuse Esmée, un tantinet féministe. Montrer à toutes les femmes qui n'osent pas s'affirmer dans la vie, qu'on peut nous aussi y arriver, que nous aussi on est égaux aux autres. Et que justement, le sport c'est aussi fait pour les femmes et le catch aussi. La recette fonctionne, les combats s'enchaînent. Prochain rendez-vous à Metz, le 21 octobre.